Bonsoir, bonsoir. Nous voilà de nouveau dans la méditation du jeudi. Bienvenue à toi devant ton écran. Je suis Pierre Legarérès et comme tu viens de l'entendre, je me permets de te tutoyer pour deux raisons. La première, c'est que je parle à la personne que tu es devant ton écran et je t'assure qu'il y a tout le respect nécessaire dans ce tutoiement. Et puis la deuxième raison, c'est que ça me permet de dire vous quand je parle au groupe et tu quand je parle plus spécifiquement à chacun d'entre vous qui est devant son écran, tout simplement. Bienvenue, bonsoir. On va faire une belle méditation. Ça fait longtemps, en fait, curieusement, j'ai fait ça il y a des années, puis ça fait 2 ans que je ne pense pas à le faire. Et récemment, je me suis dit, mais j'ai jamais fait de méditation de yoga nidra. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est une pratique qui est très puissante. Alors, je vais tout de suite caler les choses. On va faire une méditation de yoga nidra un petit peu écourtée pour rester dans un format d'une trentaine de minutes. Normalement, la séance de yoga nidra, digne de ce nom, c'est 1 heure. Donc on va un tout petit peu raccourcir, notamment tout ce qui concerne la décontraction du corps, ce qu'on appelle le body scan, hein, quand on scanne complètement le corps, orteil par orteil, doigt par doigt. Voilà, on va aller un petit peu straight to the point, hein, comme on dit, droit au but. Voilà, on va un tout petit peu élaguer dans cette partie-là. En tout cas, ce yoga nidra, c'est très intéressant parce que ça permet finalement de caler une idée importante en tête. Et cette idée, alors, c'est plus qu'une idée, à vrai dire. C'est vraiment un souhait qui vient du cœur. C'est vraiment ce qu'on appelle une intention. Et moi, venant de l'école, notamment du chamanisme, pas que, mais dans le chamanisme, l'intention, c'est fondamental. Alors, dans le yoga nidra, on ne parle pas d'intention, on parle de sankalpa. Et ce sankalpa, c'est une intention, souvent très simple, on l'exprime au présent, hein, pas au conditionnel, etc. Voilà, je veux, je désire, je souhaite avoir davantage confiance en moi. Voilà un sankalpa très simple. Je souhaite avoir davantage confiance en moi. Hein. Je souhaite développer l'ouverture de mon cœur. Je souhaite élever ma confiance. Je souhaite développer ma spiritualité. Tu peux vraiment faire, voilà, je souhaite avoir un langage plus, hein, une parole impeccable. Je souhaite avoir une parole impeccable pour être un formidable sankalpa, par exemple. Donc, on va commencer à se détendre un petit peu. Et puis, au moment où voilà, on se sera posé un petit peu, eh ben, je t'inviterai effectivement à prononcer 3 fois de suite cette intention qu'on appelle dans le yoga nidra, voilà, je le redirai, mais le sankalpa. C'est une donnée qui est importante puisque le but du yoga nidra, c'est qu'il va permettre d'installer cette intention exactement comme on vient planter une graine, tu vois. Et après toute la relaxation du corps, puis tu verras les visualisations qu'on va faire, eh ben c'est un petit peu comme l'eau et la terre ensemble qui vont permettre à cette graine de germer et de donner corps à cette intention. Je souhaite avoir davantage confiance en moi, par exemple. D'accord ? Ok, on commence tout de suite, pas de fioritures. Je vais juste te demander de poser ton attention sur ta respiration, calmement. Deux bols tibétains qui vont élever la fréquence vibratoire, comme toujours. Tu sais que j'aime bien utiliser le bol tibétain pour la méditation, c'est tellement plus facile. Et puis on va imaginer que dans l'inspire, on inspire de la lumière et dans l'expire, qu'on relâche toutes les tensions de la journée, les contraintes, si on a été contrarié, les soucis, les tracas de la journée. On les laisse aller avec le souffle. Alors une chose importante que je n'ai pas dit, je vais te demander exceptionnellement, peut-être tu es déjà dans cette position, de t'allonger. Dans le yoga, on appelle cette position le Shavasana. Et c'est la position du... Alors le Shavasana, c'est la méditation à la fin du yoga, mais c'est la position du Shavasana finalement, qui consiste à être allongé, vraiment, le corps bien droit, les paumes des mains vers le ciel, hein, tu peux avoir les mains allongées le long du corps, si tu es
Voilà, et puis les pieds un petit peu écartés, si tu es sur un tapis de yoga, ben, tu laisses tout simplement tomber les pieds, voilà, un pied de chaque côté du tapis, c'est important. En tout cas, fais cette méditation en position allongée, dans le relâchement total du corps. Un autre élément important va être l'immobilité totale. L'immobilité totale, comme on est allongé, on va aussi poser tout de suite une intention importante. Alors, ce n'est pas encore l'intention que je vais te demander de déposer tout à l'heure, mais tu vas simplement poser comme un principe de base, je vais rester éveillé pendant toute la méditation. Je vais rester éveillé, voilà. Même si je t'invite à fermer les yeux et à te détendre complètement. À poser sans bien le corps qui se dépose sur le matelas, du coup, sur les coussins situés sur ton canapé, tranquillement. Et puis, tu vas pouvoir poser cette intention, donc ce sankalpa, qui pourrait donc, c'est un exemple, être « Je souhaite avoir davantage confiance en moi ». Je souhaite ouvrir mon cœur davantage. Je veux que mon corps guérisse complètement. Pourquoi pas? Si tu souffres de quelque chose, des poumons, d'arthrose, d'autres choses, pose vraiment, dis voilà, je souhaite guérir mon arthrite ou mon arthrose. Voilà. Sois assez précis et parle au présent. Pas au conditionnel, pas je voudrais ou j'aimerais que, non. Je souhaite ceci ou cela, tout simplement, très simplement, voilà. On va encore prendre une bonne inspiration et on va porter notre attention sur la main droite, par exemple. Je te propose de porter ton attention au centre de la paume de ta main droite, chakra secondaire de chakra du cœur. Fais attention à, porte ton attention sur tes doigts, ton pouce, le dessus de ta main, ton avant-bras, ton bras, ton arrière-bras, bras droit, toujours pareil, on est du côté droit, ton épaule droite, bien relâchée, voilà. Et puis ta poitrine, côté droit, relâche. Abdomen, côté droit. On relâche. La hanche, côté droit. On détend, on relâche. Très bien. La cuisse, côté droit. On détend. Le genou, côté droit. On relâche. La cheville, côté droit. Le pied droit, plante de pied, dessus du pied. Orteil. Très bien. On va porter maintenant notre attention sur et dans la paume de la main gauche cette fois-ci. Allez, paume de la main gauche, les doigts, les pouces, le pouce de la main gauche, les doigts, le dessus de la main, le poignet, tout l'avant-bras, côté gauche. Le coude, le bras, l'arrière du bras, épaule gauche, bien relâchée, voilà, très bien. Poitrine, côté gauche, bien relâchée, très bien. Abdomen, côté gauche, bien relâché, le ventre, côté gauche. La hanche, voilà. Le fémur, la cuisse. Bien détendu, le genou côté gauche, très bien. Puis la cheville côté gauche, le talon, plante du pied gauche, dessus du pied, les orteils, les cinq orteils, le gros et les quatre. Très bien. Tu vas porter ton attention en bas de la colonne vertébrale. On va relâcher
toute la zone du dos, les lombaires. Avant ça, les fessiers peut-être. Voilà. Tu les laisses se déposer sur ton matelas. Les lombaires, ok. Les dorsales, les reins. Les omoplates, côté gauche, côté droit, très bien. La nuque. Tu peux légèrement bouger la nuque pour bien la relâcher. L'arrière de la tête. Le sommet de la tête. Le front. On défronce les sourcils. On garde les yeux fermés sans les crisper, juste les paupières closes, posées l'une sur l'autre. Très bien. On détend les pommettes à gauche, à droite. Très bien. Les lèvres. Lèvres supérieures, lèvres inférieures. Mâchoire inférieure relâchée. Très bien. Les muscles du cou. Les joues. Voilà. Cuir chevelu. Très bien. Je vais maintenant te demander, on va pas aller jusqu'au bout, hein, t'inquiète pas, mais de porter ton attention sur ta respiration et sur ta respiration ventrale. Et tu vas compter à rebours de 100 jusqu'à 1. Je te l'ai dit, hein, je devrais pas le dire, mais on va pas aller jusqu'au bout, ce serait très long. On pourrait aller jusqu'au bout si on avait l'après-midi devant nous, la journée devant nous, la soirée devant nous. Et tu vas simplement faire quelque chose comme « Je sens mon nombril se soulever à l'inspire. Je sens mon nombril s'abaisser à l'expire. » Et tu commences 100, le chiffre 100, mon nombril monte. 100, mon nombril s'abaisse. 99, mon nombril monte. 99, il s'abaisse. 98, il monte. 98, il se rabaisse. 97, il monte. 97, il descend. 96, il monte. 96, il descend. Et continue. On va pratiquer ça pendant une minute. Faire ça avec la poitrine, mais on va écourter un petit peu. Très très bien. Passons maintenant à la phase de visualisation. Je vais simplement donner des images, mais au lieu de visualiser seulement, alors déjà si tu n'arrives pas à visualiser, c'est pas grave, tu peux simplement imaginer, hein. C'est à toi ton imagination. Et puis, imaginer ou visualiser ne suffit pas, il faut aussi essayer de ressentir les sensations. À un moment donné, je vais parler du désert. Ressens la sensation d'immensité, ce que ça te ferait si tu étais réellement dans le désert, comment tu te sentirais. Tu vois, posé là sur une dune, imagine par exemple, ou bien au bord de la mer, ou devant un ciel étoilé, on va l'évoquer. Hein. Essaye de mêler les sensations du corps, hein, même les émotions, tu vois,
devant la mer, on ressent cette émotion d'immensité dans le désert également, voilà, ou à la montagne, ou en forêt, voilà. Et je vais juste, voilà, donner des images comme ça. On va commencer par la plus simple et la plus fameuse, c'est la bougie allumée. Visualise une bougie allumée. Chaque fois, je répéterai trois fois la visualisation. Une bougie allumée. Une bougie allumée. Bah tiens, visualise-toi assis sur une dune dans le désert immense. Assis sur une dune dans le désert immense. Assis sur une dune dans le désert immense. Visualise une nuit de pleine lune. Une nuit de pleine lune. Une nuit de pleine lune. Ouais. Visualise le sommet des montagnes enneigées. Le sommet des montagnes enneigées. Le sommet des montagnes enneigées. Un coucher de soleil sur la mer. Un coucher de soleil sur la mer. Un coucher de soleil sur la mer. Visualise un ciel rempli d'étoiles la nuit. Un ciel rempli d'étoiles. Un ciel rempli d'étoiles. Visualise la grande pyramide en Égypte. La grande pyramide en Égypte. La grande pyramide en Égypte. Visualise haut dans le ciel un vol d'oies sauvages. À l'automne, haut dans le ciel, un vol d'oies sauvages à l'automne. Haut dans le ciel, un vol d'oies sauvages à l'automne. Un gros nuage blanc dans le ciel bleu. Un gros nuage blanc dans le ciel bleu. Un gros nuage blanc dans le ciel bleu. Visualise une rivière qui coule devant toi, une rivière qui coule devant toi, une rivière qui coule devant toi. Très bien. Et maintenant, je vais simplement te demander de répéter trois fois ton intention, ton sankalpa, alors surtout la même, hein. On a choisi une seule et tu vas répéter trois fois ce sankalpa, cette intention maintenant, en essayant vraiment de la ressentir dans tout ton corps, comme si elle s'emparait de toi globalement, de ton corps tout entier globalement. Allez, trois fois ton intention, ton sankalpa. Tu peux même le dire à haute voix, en parlant tout doucement, en murmurant, ou le prononcer clairement. Je souhaite avoir davantage confiance en moi. Alors répète le tien, je ne veux pas t'influencer. Très bien. Tu peux ramener à présent attention sur ta respiration et relâcher, laisser ta respiration revenir à la normale sans t'en occuper, revenir tout à fait naturelle. Tu peux garder les paupières closes un petit instant pour rester dans cette énergie de cette séance de yoga nidra. En étant toujours consciente, conscient de la sensation
de ton intention à l'intérieur, de sa lumière, du bien que ça te fait. Comme si tu gardais ça à l'intérieur, avec cette idée de graine justement qui vient germer et pousser, donner corps à ton intention, à ton sankalpa. Voilà. Je vais te laisser à présent revenir dans le moment présent, reprendre conscience. Tu peux ouvrir les yeux quand tu es prêt, quand tu es prête. Prendre conscience de ce qu'il y a dans la pièce où tu te trouves. À ta gauche, devant toi. De garder cette intention à l'intérieur, cette petite graine qu'on a plantée et qui va continuer à germer, à pousser, à grandir. Bien sûr, c'est une méditation que je t'invite à reproduire dans les jours prochains, idéalement tous les jours, si tu le peux, et sinon tu feras du mieux que tu pourras. Voilà. Et ce sera très bien. Tout ça avec beaucoup de bienveillance pour toi-même. Si c'était une première expérience, si tu es déjà expérimenté, tu t'es aperçu que j'ai fait des coupes franches à plusieurs niveaux. Mais c'était juste pour te faire goûter un petit peu l'énergie du yoga nidra. On peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut vraiment opérer de véritables transformation, en répétant l'opération, en faisant la séance complète, bien évidemment. Je ferai sur YouTube des séances complètes. On peut faire tout un tas de choses. On parlait de confiance en soi, c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes. On pourrait parler de vaincre la peur, par exemple, fixer les choses, fixer une intention sur une peur en particulier, etc. etc. Très efficace. Le yoga nidra, c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait pour le fun, on le fait vraiment pour faire éclore quelque chose en nous, développer quelque chose en nous, ou au contraire, voilà, se libérer de quelque chose qu'on ne veut plus. Voilà. C'était Pierre Lugares avec cette séance de yoga nidra. Je te souhaite une très très belle fin de soirée. Merci d'être là et bonsoir.